On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Non. Quelle horreur. Je me disais, t'as mis trop de temps d'aimer. C'est trop tard. Barrage droit devant, avec des gardes allemands. Pour pas que les patrouilles allemandes me voient. Essayez de communiquer maintenant.
des soldats allemands. Encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici.
Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon.
oublie ça. Idrissa, te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça. C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. Vous n'avez pas gagné. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Ils s'attendent à nous voir. La base allemande du château. Mais tu es fou, quoi? Les Français n'arrivent pas à battre ces fâches, Miag, ni même à s'approcher de leur QG. Et c'est toi qui vas prendre le château tout seul? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Quand on verra ta fusée, on passera à l'attaque quoi qu'il arrive. On te fait confiance. On te confie nos vies, Démé. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Thank you.
Ce canon n'est pas prêt de tirer maintenant.
pas facile. C'est parti! On doit se débarrasser de ce canon. Sois fort.
forcer la porte du château. Mais il aurait mieux valu pour nous qu'elle ne s'ouvre jamais. Donnez tout ce que vous avez! On doit... Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice et en vie humaine. Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois.
sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. L'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.